Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On joue contre JKIDJR22. Voilà, donc déjà on a commencé la partie en lisant le pseudo, on a déjà perdu du temps. On fait une petite scandinave, donc on a 2409 pour le moment. On pourrait s'approcher de 2450, ça pourrait être intéressant. Ici j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Je vais mettre le fou en G4. Pour le moment, le pion en E6, et puis je vais décider plus tard si je mets le cavalier en C6 ou si je le mets en D7. Donc là, il fait A3, B4, donc je me dis que je vais le mettre en D7 et la dame en C7. Par contre, B4, ici je pense que j'ai fou prend B4 parce que le pion est cloué en fait. Donc je pense qu'il m'offre un pion. Donc vous voyez, 2334 sur chess.com, quand même, maître national, donc c'est un bon niveau. C'est quand même un bon niveau. Et on peut voir des cadeaux comme ça. Mais par contre, après, voilà, le cadeau a été fait. Mais il essaye maintenant de m'enfermer la dame. Donc A5. Je veux ouvrir le jeu. Ok. Donc il le prend comme ça. Moi, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en B5. Donc sur cavalier prend B5. Mon idée va être d'avoir des coups comme dame prend A2 en fait. Donc là, je vais peut-être pas immédiatement prendre en A2. Parce qu'il y a cavalier C7 échec. Mais ah oui, mais lui, ce qu'il va faire, c'est cavalier C3 du coup. Madame est en train de passer un sale quart d'heure. Donc cavalier C3, je vais faire cavalier C6. Et sur dame E2, j'aurai peut-être cavalier D4. Ah non, j'ai pas de cavalier D4 parce qu'il a. Il a tout simplement cavalier prend D4. Ah ouais, donc. Est-ce que ma dame sera en train de se faire enfermer? Est-ce que j'aurais trop négligé ça? J'ai peur que oui. J'ai peur que je me fasse enfermer la dame. Alors. Si incroyable que ça puisse paraître. Je me suis fait enfermer la dame. Alors, est-ce qu'il connaissait que c'était un piège ou je pense pas. Je pense juste avoir très mal joué. Alors maintenant, je vais venir en B4. Je vais prendre en F1 et je vais faire tour D8. Donc, je menace le pion D2. Je menace le pion D2 et je menace le pion C2. Donc voilà, maintenant je vais réussir à récupérer encore un pion. Alors, qu'est-ce qu'on a à propos des pions? Alors, il a 4 pions. J'en ai 6. Et pour les pièces... alors... J'ai 3 pièces mineures contre 4 pièces mineures. J'ai une tour. Ouais, alors c'est vraiment très compliqué même de compter le matériel, quoi. C'est même très compliqué de compter le matériel. Donc cavalier prend B5, il y a vraiment des prises de partout. C'est un peu n'importe quoi. Donc maintenant sur fou prend D8, je fais cavalier prend C3. Donc il vient prendre ici. Je vais jouer tour C8. On va essayer de garder des pions. J'ai du mal à commenter cette partie en fait parce qu'elle est juste hyper bizarre. Elle est juste hyper bizarre. Mon adversaire a joué bizarrement. J'ai dû faire une erreur à un endroit, mais c'est même pas évident à quel endroit était cette erreur. Et puis c'est parti dans le n'importe quoi en fait. Et j'ai du mal vraiment à réaliser ce qui est en train de se passer. J'ai du mal même à vous expliquer ce qui se passe. Alors les variantes que je peux calculer, c'est peut-être fou prend F5. Alors voilà, ça j'ai vu et je voulais faire tour prend C3. Mais bon, ça reste hyper vague pour moi. Voilà, et prendre en F6 en fait. Alors, c'est une variante que j'avais calculée. Mais j'ai aucune idée, franchement, de ce que ça donne. Alors, logiquement, il est beaucoup mieux. Mais c'est pas forcément si simple. C'est pas forcément si simple. Alors, on va faire tour D8. Mis cette tour en D1. Alors, je suis pas du tout sûr de ce que je suis en train de faire parce qu'il y a dame B8 échec et dame B2.
qui cloue ma tour, qui me forcera à faire tour C1. Non, il doit être beaucoup mieux. Mais c'est pas forcément si simple. Est-ce que j'ai pas. Alors, je vais mettre le pion en H6. Est-ce que j'ai pas tour B3 tout bêtement? Ah oui, mais il aurait dame A8 échec. Ok. Ok, donc je vais rester comme ça. Ok, je vais faire tour C5. Tour C2. En fait, je vais essayer de faire une nulle en fait. Je vais essayer de faire partie nulle. Mais c'est une partie très très bizarre, vraiment très très difficile à commenter. J'espère que. Ouais, alors il veut essayer de me mater là. Ah, il a un échec assez redoutable. Ouais, c'était assez redoutable de sa part. Alors, est-ce que je peux le faire tomber? J'en sais rien. Non, c'est lui qui va me faire tomber. Dans une partie très étrange. Ouais, dans une partie très étrange. Donc, on va faire une revanche. Et on va essayer de faire une bonne partie, de prendre une revanche. Parce que c'était vraiment quelque chose de bizarre, qui n'avait pas grand intérêt. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Je joue pas mal de parties comme ça, en fait. Qui sont juste. Avec beaucoup de coups illogiques. Alors, cavalier E2, fou E2, petit rogue. Donc, on va essayer de faire quelque chose de plus normal dans cette partie. De plus stratégique. H3, on va faire une case pour le fou. Donc comme ça, on va pouvoir ranger le fou en H2. Par contre, il va faire très attention à ce cavalier qui ne se retrouve pas sans case. Parce que ce cavalier, après E4, il aurait pu se retrouver dans pas mal de soucis. Alors on va jouer des. On va pour le moment un petit peu attendre de voir ce qui se passe. Alors maintenant, il va falloir s'activer. Donc dame A4, on va aller essayer de voir un peu. Ce pion. Alors, est-ce qu'on peut le prendre ou pas? Je pense que oui, parce qu'on a ce fou H2 qui regarde quand même sur la longue diagonale. Et s'il fait A6, peut-être que ça va être un affaiblissement pour lui dans le futur. Alors, est-ce qu'il peut faire A6 B5? Peut-être. Ok, il prend, on va prendre. Il va jouer B5, ça nous met une bonne case pour le fou en B5. Donc là, on voit qu'on a une partie plus stratégique, qu'on arrive quand même, même si on démarre avec un petit désavantage, on arrive quand même à se remettre sur pied. Alors, cavalier B1, puisqu'on veut venir en C3, donc on va remettre le cavalier sur une meilleure case aussi. Donc là, on est petit à petit en train d'améliorer nos pièces. Donc maintenant, on a une bonne main sur cette aile du jeu. Maintenant, on va pouvoir changer ce fou donc de cases noires et on va rester avec des cavaliers contre avec un cavalier contre un fou dans une position fermée. Donc même si c'est son bon fou, logiquement ça doit être pas mal. Donc A3, je veux pas le laisser rentrer. Ok, maintenant on va venir mettre ce cavalier peut-être sur B5. On va quand même venir le mettre sur B5, quoi, petit à petit améliorer la position de chaque pièce. Donc on va prendre. Dame C3. On n'est pas contre les échanges hein, pour le moment. Puisque nous, maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est justement ramener notre roi de l'autre côté. Alors, est-ce qu'on peut jouer le coup F3 ici pour prendre le centre? Je pense qu'on peut. Et mettre notre roi sur D3. Je pense qu'on a une bien meilleure structure de pions pour le moment. Nos cavaliers sont vraiment forts. Ça me fait presque mal au cœur de jouer E4 pour le moment. Alors est-ce que je peux préparer ce coup E4 d'une manière X ou Y? Non, j'ai l'impression que c'est. Ouais, alors j'ai ce pion ici qui pourrait devenir. Alors, on peut faire B4, B5 peut-être. Je suis pas très sûr de cette décision. Ce coup B4 est un peu précipité. Peut-être un poil précipité.
On va quand même pousser E4 maintenant. Ça aussi, c'était peut-être un petit peu précipité. Alors, cavalier E2, on va protéger. Et on va mettre le cavalier en C4. Je pense qu'il devait manger mon cavalier, vraiment. Hein. J'étais plus embêté par fou prend cavalier. Alors, il essaye de venir. Mais là, roi E5. Et si je fais pas une hallucination... Ah, je peux pas manger en B6 parce qu'il a fou D6 échec et mat, ok. Donc un joueur quand même qui joue très tactique, même en finale, quoi. Donc un joueur pas très académique, mais bon, qui est très très pénible à jouer. Ok, alors on va venir comme ça. Cavalier F4. Ouais, joueur pas très académique, mais très très dangereux. Ah non, il prend la nulle. Ah là là, je voulais ne pas prendre la nulle. Ah, je voulais pas prendre la nulle. Allez, on va faire un rematch. On va essayer d'en rejouer quelques-unes. On va peut-être faire un match un peu plus long. Voir si je peux remonter contre un joueur qui joue de manière étrange. Ok, on va voir. Est-ce qu'il redonne? Non, il le redonne pas. Alors... Encore plus décevant par rapport à la première partie de pas avoir réussi à conclure. Joueur très dangereux. Alors contre des joueurs comme ça, moi je pense qu'il faut un petit peu ouvrir les... Je pense qu'il faut ouvrir le jeu, je pense qu'il faut aérer le jeu. Donner du matériel parce que c'est des joueurs qui sont souvent assez... qui ont quand même un moins bon niveau quand il s'agit de se défendre. Donc on va faire un échec au roi. On va mettre le cavalier en G4. Ils sont quand même beaucoup plus à l'aise en attaque qu'en défense. Donc on va essayer d'en profiter. Alors, il menace mon fou. Évidemment, je peux faire ou cavalier E3 ou cavalier F2 échec. Mais du coup, on va retomber dans des positions où il va être à l'aise. Puisque c'est lui qui va être le joueur attaquant. J'ai pas vraiment envie de ça, mais j'ai pas forcément le choix non plus. Ouais, mais bon. Ah oui, non, mais je vois, il y a des tactiques très 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 dangereuses. Ah oui, c'est très très dangereux. Ouais, mais il est vraiment. Oh là là, c'est très bien joué. En fait, il y a devant cavalier prend F2, tour prend F2, dame prend F2, cavalier prend F5, pion prend F5, dame en échec, il échange des dames et ensuite je peux plus protéger mon roi. C'est pour vous dire un petit peu ce qui manigance. On va faire H3. Donc sur cavalier prend F5. Ah oui, mais il menace le cavalier du coup. Pion prend. Ah ouais, non, ça sent pas bon du tout. Et après, dame prend G4, tout bêtement. Parce qu'en fait, mon idée, c'était fou H4, cavalier F2, tour prend F2, dame prend F2, et clouer son cavalier, puisque j'aurais dame prend G2 échec. Et oui, mais il le voit, évidemment. Évidemment, il l'a vu. Donc, on a une pièce de moins. Et on est complètement foutu. Un style de jeu très très particulier donc pour cet adversaire. Qui joue vraiment tout pour l'attaque. Mais qui m'a l'air d'être très très fort tactiquement. Quoi, qui m'a l'air d'être un monstre en tactique. Donc on va essayer de faire un peu ce qu'on peut. Encore, ça va être. Ça va être difficile. Alors, est-ce que je peux tenter. Peut-être un coup comme dame D4.
Je vais essayer de prendre en C3 en fait. Et en me disant que le fou réussit à protéger mon roi. Voilà, donc il rend du matériel. Alors je peux pas vraiment prendre immédiatement, mais par contre, je vais peut-être essayer de prendre en H2. Ok, on va prendre en G5. Tour H8. Y a pas un mat ici? Y a pas échec et mat? Je crois que c'est échec et mat. Partie très très bizarre encore une fois. Bon allez, on va faire une quatrième. Une dernière, une partie encore une nouvelle fois très bizarre. Avec finalement un échec et mat. Donc un adversaire vraiment 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 inhabituel. Qui fait des parties que je n'arrive pas vraiment à commenter. Donc comme ça vous permet aussi de voir ce qui se passe quand moi je suis complètement désorienté. Ça m'arrive aussi. Donc là vous allez vraiment avoir quatre parties où je ne réussis pas à anticiper un seul coup et où je suis dans. J'ai l'impression d'être dans un aquarium quoi, de pas voir ce qui se passe. Mais alors du tout, je sais pas vraiment si ça se voit sur mon visage. Mais je suis complètement perdu là. Je sais pas, par exemple, pour moi, cette position. Cette manière de jouer pour les noirs me paraît absolument débile. J'ai la paire de fous, j'ai une structure de pion, ok, qui est plus ou moins égale, mais je suis mieux développé. Enfin, en tout cas, pour lui, c'est pas facile de développer ce fou. Ce pion est mauvais. Mon pion C3, beaucoup plus difficile à attaquer. Ici, voilà, j'ai envie de dire un coup comme fou G5, tout simplement. Suffit de dame D4. Ça me paraît quand même un peu compromis pour lui. Mais voilà, encore une fois, il va venir trouver du contre-jeu. Donc là, dame prend A7, tour prend C3, dame prend B7. Donc là, l'idée, c'est vraiment bah, d'avoir un pion de plus, en fait. Tout bêtement. Ok, on va jouer fou F4. Mais voilà, je suis vraiment désorienté, comme je vous l'ai dit. J'ai l'impression de ne pas deviner un coup. Et j'ai l'impression que tout de suite, il va me contre-attaquer de manière très violente. Ici par exemple, est-ce qu'un coup simple comme fou D2? Alors vraiment, je jouerai les yeux fermés. Bon allez, on va pas avoir peur de rien, on va pas avoir peur de l'eau. Ok. On va tout simplement manger ça. Et on va pousser notre pion sur A4. Donc tout ça me paraît quand même très très logique. Ok, il essaye de pousser son pion, mais normalement ça va pas aller bien loin. Dame B5, on propose l'échange des dames. Okay, on peut jouer dame D3. Proposer une nouvelle fois l'échange des dames. Et mettre notre tour en C1. Parfois, ça me paraît quand même. Alors ici, pour avoir une idée un petit peu vicieuse sur tour C1. Non, mais même pas, on va faire tour C1. Il va faire tour C8 avec l'idée de faire dame prend A1. Et on va faire dame A3. Puisqu'il avait une menace dame prend A1 et c'est un dame, hein, peut-être. On va faire dame A3. On va essayer d'aller pousser notre pion aussi. Hein. On va pas s'embêter en fait. Est-ce qu'il a une menace? Il me semble pas qu'il ait de menace. Donc on va continuer à pousser. Il me semble toujours pas qu'il ait de menace. On va continuer à pousser. Ok, il prend, on prend. Et on va jouer notre dame sur E3. Ça me paraît quand même plus ou moins ok. Je vais pouvoir mettre le pion sur F3. Et j'ai quand même. J'ai quand même des bonnes pièces. Alors on va pouvoir faire dame D2. Menace le fou. Ben, je me méfie, hein, vous le sentez à ma voix. Là, je me dis qu'est-ce qui va me sortir du chapeau? Qu'est-ce qui va m'arriver? Là, sur fou E4, je vais tout simplement faire F3. Donc voilà, mon roi va venir en G2, totalement protégé. Le fou se déplace de la diagonale et à 8 mat.
À 8 mat, à 8 dames plutôt. Moi, je vais faire tour à 2. Dame B6 échec et roi G2. Tout ça me paraît ok. Tout ça me paraît normal. C'est vrai qu'il a très mal joué stratégiquement une nouvelle fois, mais voilà, on sent qu'il s'accroche un maximum. Alors on va prendre, et maintenant sur tour prend A7, on a tour C8, tour prend A8. Et voilà, on va pouvoir finir le boulot. Comme ceci. Donc voilà, mais un adversaire, voilà, 4 parties, donc c'est bien, ça fait un peu plus pour une vidéo. Mais je trouvais que c'était marrant après de continuer, vu que l'adversaire était vraiment désorientant. Et de voir un peu ce que ça fait de se retrouver. Peut-être que vous, dans vos parties, des fois, vous comprenez pas vraiment ce qui se passe. Et vous savez pas vraiment quoi faire. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc une vidéo un petit peu dans un autre style peut-être de d'habitude, puisque c'était beaucoup moins expliqué. Et que je savais pas où ça en venait. Mais voilà, on voit que un joueur, on voit, c'est la dernière partie, il illustre bien. On voit bien que, voilà, stratégiquement. Ce qui fait, voilà, pour moi, cette position, voilà, c'est un grand avantage blanc. Et je vais pas rentrer là-dedans. Et puis lui, on a vu que, voilà, il rentrait dans ce genre de choses. Et puis qu'il allait jouer vraiment pour la contre-attaque, donner du matériel, essayer d'aller pour les tactiques et d'être dangereux. Et on a vu que, voilà, c'était très pénible pendant 2-3 parties. Il a fallu un temps d'adaptation. Mais qu'après, à partir de la deuxième, troisième, quatrième, plus le temps passait, plus on réussissait à jouer en fait. Donc voilà, un adversaire désorientant, mais une fois qu'on a réussi à prendre la température, c'est quand même plus facile. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, passez une bonne soirée, au revoir.